contemple le temps de ce jeudi 4 avril et je pleure. Non, mais quand même, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose au niveau de la pluie? Ça commence à bien faire. Donc oui, jeudi 4 avril et c'est le petit coucou du matin. Petit coucou du matin, un petit peu plus tranquille qu'hier. Bon alors attendez, là je suis quand même à contre-jour. Oh, ça va. Non, allez, je vous bouge pas. On va faire avec, je me mettrai mieux cet après-midi. J'espère que vous allez bien. Ici, tout roule. À part le temps, mais bon, allez, j'arrête d'en parler. J'arrête d'en parler et en plus, on est vraiment tous concernés. Hein. C'est-à-dire qu'à part une coquinette là dans le Lot-et-Garonne qui m'a envoyé un petit message en me disant « Ah, mais chez nous, il fait un grand soleil. » on te voit, hein, dans le reste de la France, en revanche. Ah, la Bretagne, je pense à vous. Bon, bah, le Nord, je pense à vous aussi. L'Est, salut les amis. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'espère que vous aurez apprécié les images, quelques petites images que j'ai mis juste avant, des fleurs de cerisier et des tulipes du jardin. Bon, pas toutes, hein. Il y a des endroits où ça n'est carrément pas accessible à moins de mettre des bottes. Donc, chose que je n'avais pas au pied. Donc, j'ai pas pu aller vous faire des images de d'autres plantes. La végétation est bien verte, mais comment dire? Donc, j'espère que vous aurez apprécié ces petites images qui n'étaient pas faciles à aller prendre sous la flotte. Je dis à mon mari, quand tu marches dans l'herbe, dans le jardin, ça fait comme si tu marchais sur une éponge. Spouch ! Ça ressort de chaque côté. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas pour nos sols. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Alors, des nouvelles de l'oreille de la petite. Écoutez, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ce matin. C'est encore légèrement enflé, mais alors plus rien à voir avec, hier matin. D'ailleurs, il faut que j'envoie un petit message à la pierceuse puisqu'elle m'avait demandé de lui envoyer une petite photo, chose que j'ai faite ce matin, mais j'ai pas encore pris le temps de lui envoyer. Des compresses, on a bien nettoyé, et des compresses de sérum fille froid, ça a fait bien dégonfler l'oreille et c'est beau, franchement c'est nickel. Donc c'était peut-être pas une infection au final, c'est bien ce qu'elle nous a dit, enfin voilà, c'est ce qu'elle semblait nous dire la pierceuse. Ça ressemblait pas vraiment à une infection, mais plus à une petite inflammation voilà, qu'il fallait traiter quand même, hein, mais moins problématique que ce que j'ai cru de prime abord. Et donc, a priori, pour l'instant, on n'a pas retiré la boucle d'oreille. Donc, allez, on continue de croiser les doigts, mais ça m'a l'air d'être quand même plutôt en bonne voie. Hein, donc, voilà. Youpi, youpi, ouf, ouf. Ça, c'était la première chose. La deuxième, qu'est-ce que j'ai fait? Non, bah, hier, j'ai rien fait. J'ai avancé un tout petit peu sur ma petite chaussette. Je suis dans la cinquième répétition du motif. Voilà. Et une fois que je serai arrivée à la fin de la cinquième répétition, je vais faire le talon. Tranquillement, je vais... Ce matin, le programme, c'est faire mes lessives et mon repassage. Alors, particulièrement le repassage, le pliage tri du linge. Wouhou, c'était pas facile. Voilà, j'ai effectivement un petit peu de lessive aussi à faire. Mais voilà, ça c'est le gros truc de ce matin. Le linge, et si tout ça est bien fait, cet après-midi... Je me pose un peu avec du tricot. Je voudrais vraiment débuter le petit pull hein, dont je vous ai parlé hier. Et puis après, commencer un petit peu de montage parce que, ça je ne vous l'ai pas encore dit, je ne suis pas là ce week-end. Je pars en vadrouille avec mes copines. Je ne vous dis pas où et tout ça parce que je vais vous emmener avec moi, hein, bien entendu. Mais dans ma tête, alors on part vendredi soir, donc dans ma tête, l'épisode de vlog de vendredi doit être vraiment monté vendredi en fin d'après-midi, enfin milieu d'après-midi pour que machin, et l'épisode de podcast pour dimanche, la même chose. Comme ça vous avez
ce que je suis en train de filmer là qui sera en ligne vendredi. Ce que je filmerai vendredi sera peut-être un petit épisode, hein, vendredi de vlog, hein, vous ne m'en voudrez pas. Sera en ligne samedi. Dimanche, vous avez le podcast. Et lundi, peut-être un petit peu plus tard dans la journée, vous aurez un vlog du week-end. Voilà, comment je l'envisage. J'espère que je vais y arriver. On verra. Parce que je ne vais quand même pas emmener l'ordinateur avec moi en week-end. Non, ça serait vraiment... ça serait abusé. Voilà, j'ai envie de profiter de mes copines et tout ça. Non pas que je ne profite pas quand j'ai les vlogs, mais c'est vrai que la partie montage et tout, ça prend du temps quand même. Donc, voilà. Donc il va falloir être organisé. C'est la tempête dehors, sérieusement. Si avec la pluie encore, si avec la pluie, mais oh, y a un vent. Oh là là, mais c'est pas vrai. Bon, j'avais dit que j'arrêtais d'en parler, donc si j'en reparle, c'est qu'il est temps de filer à mes petites tâches ménagères. Je vous dis à tout à l'heure. Bon tricot, parce que je sais que vous êtes beaucoup à tricoter en me regardant. Donc bon tricot. À toutes. De mon mari n'est toujours pas sec. Bon, quasiment, si, dans l'ensemble, mais là, au niveau du col double, c'est encore humide. Donc, allez, encore un petit peu. Je vais peut-être essayer de le mettre, là, dans la journée, sur un radiateur, mais je suis même pas sûre que les radiateurs tournent en ce moment, parce que il fait pas si froid que ça, puis on met pas souvent le chauffage, donc je sais pas. On va voir. Bon... voilà, l'étendue des dégâts. Donc c'est parti! Alors, on rentre de l'école et enfin, il ne pleut plus. Youpi. Franchement, et je crois que ça y est, c'est bon. Oh oui, alors ça aussi, j'ai rigolé. Attendez, je m'assois parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Ah, il y a le lave-vaisselle. J'espère que ça va aller. Non, on va se mettre là. Comme ça, le micro ne sera pas orienté
vers le lave-vaisselle. J'ai rigolé parce que je vous dis hein, ce matin que le pull de mon mari n'est pas sec. Bon, là, il doit l'être quand même à cette heure-ci. J'ai pas vérifié. Sauf qu'avant ça, je vous avais dit, youpi, dès qu'il est sec, il va quand même pouvoir le porter une ou deux fois dans la saison avant qu'il fasse trop chaud et tout ça. Ah bah, j'ai vu les températures pour ce week-end. Bon, sachant que là, il fait 15 degrés. C'est peut-être un peu chaud déjà pour mettre un gros pull en laine. Mais donc voilà. Mais ce week-end, on est sur du 24 degrés ici. Alors, le gros pull en laine vierge, autant vous dire que je pense que finalement, il va être porté pour des photos et rangé dans l'armoire directement. Je voulais vous montrer, j'ai commencé, ça y est, le talon de ma petite chaussette. Misère, il y a du fil, hein, il y a du fil. J'ai pas coupé le fil du coloris principal, je vais pas regarder comment elle disait de récupérer, etc. Mais depuis que j'ai tricoté le lave-vaisselle, j'ai préféré couper, mais il n'est pas dit que ça recommence pas dans 5 minutes. Depuis que j'ai tricoté les colloïdes 2.0, le patron de Lisandre Ourdin, dans lequel préconisait de ne pas couper son fil de couleur principale et de, en fait, relever les mailles le long du talon ici, alors que d'habitude, on commence sous le talon et on vient relever par là en premier, on tricote le dessus et on relève par là ensuite, en tout dernier. Bon, bah là, Lisandre, moi, chose que j'avais jamais vue hein, dans aucun autre patron, mais en fait, c'est hyper malin, elle conseille de ne pas couper son fil et donc de relever les mailles de ce côté-là directement. Donc, j'ai pas regardé ce que disait le patron, mais je pense que je vais faire ça en fait, tout simplement. Comme ça, ça me fait un petit peu moins de fil à rentrer, car j'ai toujours pas rentré les fils sur la chaussette Langarne. Pour le podcast que je dois filmer demain, je sens que ça va être... voilà. Et sur ce petit talon, est-ce que vous allez le voir? Alors... Le patron, je le répète, c'est les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life. Je ne sais pas quel est son nom, mais je crois que c'est ça son nom de designeuse et je crois que c'est sous ce nom-là qu'elle est sur Ravelry. C'est un patron gratuit, mais seulement en anglais, mais très facile. C'est un patron donc voilà, gratuit avec une petite grille à suivre pour le motif. Et donc pour le talon... Elle recommande de faire 3 mailles de point mousse de chaque côté. J'avais fait un patron comme ça, je crois, de Melody Hoffman, où il y avait aussi ce... Alors, c'est juste une petite fantaisie, parce que je pense pas que ça apporte quoi que ce soit au talon. Mais bon, voilà, moi j'ai respecté ce qu'elle a dit dans le patron. N'importe quoi. Donc voilà, je suis sur le talon de ma chaussette et je me dis que j'aimerais bien l'avancer un petit peu ce soir, comme ça je pourrais la remettre en rond et ça pourrait être mon petit tricot dans la voiture demain quand on part avec les copines. Je sais pas, je vais voir. Par contre, j'ai l'impression que la laine elle descend vite hein, ou alors j'avais bobiné très serré mon cake, je sais pas. Donc voilà, pour rappel, c'est de la Atelier Balibou. Je n'ai pas de nom de coloris. Et de la Bulbe Bizarre. Alors, j'ai pas non plus de nom de coloris, mais je crois que c'est un de ces coloris réguliers. Faudrait que je... Est-ce que c'est Market Spice? Non, Market Spice, il est plus orangé. Bon, donc je ne sais pas. Ah oui, et alors je vous montre le dernier truc. On attend la grande qui doit rentrer du collège. Et moi, je viens d'aller chercher la petite à l'école. Et j'ai eu une petite livraison spéciale de ma Céline d'amour qui va peut-être passer par là puisqu'elle l'a cuisiné ses petites gaufres liégeoises tout à l'heure en regardant mon podcast. Elle ne tricote pas elle non plus. Hein. Voilà, j'ai des copines qui tricotent pas mais qui regardent mes podcasts et les petits vlogs. Donc voilà, je crois que nous allons nous régaler pour le goûter. Bon, c'est tout pour là et puis je reviens tout à l'heure
pour vous montrer peut-être du jacquard. Le petit coucou du soir. Je vais enlever les chaussettes. Ah! Je croyais que la répétition de saxophone était terminée. Eh bien, j'ai dû me tromper. Et en même temps, 18h46, si je tourne pas maintenant, je pense que ça va être vraiment trop problématique après. J'aurai pas le temps. J'espère que ça s'entendra pas trop, le saxo. Ça m'étonnerait que ça s'entende pas trop, puisque c'est quand même... C'est quand même très fort. Oui, alors pour ceux qui arrivent, qui découvrent ma chaîne avec ces petits spring vlogs, j'ai des enfants et un mari musicien. Et à la maison, on a une saxophoniste, une flûtiste, un guitariste pianiste et un batteur. Donc c'est pas souvent qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Donc voilà. Avez-vous vu ce que je porte? Alors, on est d'accord que moi, je ne fais pas 1m97. Du haut de mon petit 1m63, voilà. Mais ça y est, il est sec. Il est sec. Il est sec. Alors, il est ultra chaud. Hein, franchement, c'est sûr qu'il ne va pas le porter là maintenant. Et bon, j'ai juste un petit débardeur là en dessous. J'avoue qu'à même la peau, il picote un petit peu. Pour rappel, c'est la Pierre Gint de Saint-Nesgarn, 100% pure laine. Je trouve quand même que ça picote un peu. Et pourtant, moi, je suis pas trop sensible. Donc, bon, a priori, mon mari va le porter avec un t-shirt en dessous. Il va pas le porter sans rien en dessous. Et il ne met pas de débardeur, donc voilà. J'espère que ça va pas le piquer. Parce que là, ça serait le comble. Si je porte pas le pull parce qu'il me pique un petit peu. Bon, enfin voilà quoi. Le Moby Sweater de Petite Knit. Le Moby Sweater Man. Il y a la version pour femme, il y a la version pour enfant. Ouais, je crois bien. Et je crois même la version... non, ça c'est normal. Slipover. Donc sans manche. Il y a un petit truc qui s'est allumé sur mon écran, je sais pas trop ce que c'est, donc bon, bah écoutez, j'espère que tout va bien. J'espère que vous me captez encore. Alors, qu'est-ce que je viens vous causer de quoi? Qu'est-ce qu'elle parle bien? Pour les copinettes qui passent pour la leçon de français, ça c'est pas bien comme phrase, hein, faut pas répéter ça, hein, ça ne veut rien dire, ce n'est pas correct. Je viens vous parler de mon tout petit début, minuscule, tout petit, mini-mini. Bon, on a un petit projet qui va être de toute façon minuscule, mini-mini, hein, donc... voilà, j'ai commencé le... j'ai déjà oublié son nom, d'Alice Gerfaux, le Little Fox. Oh, bah pourtant c'est facile, hein. Pourtant c'est facile. Donc, voilà. je pense que ça va être vraiment rapide, cette petite chose-là. Voilà, j'ai commencé, j'ai monté ça tout à l'heure, dans l'après-midi, quand j'avais un petit peu de temps. J'ai pas tout à fait fini mon repassage d'ailleurs, mais bon, bah tant pis. Hein. J'avais quand même trop envie de commencer ça. Donc, le Little Fox que je vais faire en taille, enfin que je fais en taille 18 mois, modèle de Alice Gerfaux, du 3 mois jusqu'au 12 ans, ce modèle. Donc, pas mal de taille. Pour les enfants, c'est bien. Tricoté donc en 3,25, sauf que là, j'ai fait comme ce qu'elle recommande, c'est-à-dire que je suis passée en 3,5 pour le jacquard et je reviendrai au 3,25 pour le corps. Ça serait bien. Par contre, les côtes et les côtes des bras, tout ça, c'est du 2,75. Alors, j'ai une paire d'aiguilles 2,75. Mais j'ai dû tricoter en Magic Loop parce que la circonférence était vraiment trop petite. Vous savez, je m'étais préparée... Bah, je ne l'ai pas pris. Je m'étais préparée hier... Bah non, tout à l'heure, quand je me suis préparée mes petites affaires pour mettre dans mon panier. J'ai donc mis le petit kit bleu de chez Xiaogu. Et dans le petit kit bleu, il y a des toutes... Regardez ce que j'ai mis. Il y a des toutes petites aiguilles... Ah, c'est peut-être ça en fait qui veut plus. Attendez. I'll be back.
Là, là, ça marche. Donc voilà, il y a des toutes petites aiguilles dans le skit bleu, là, ce qui me permet un petit peu d'ajuster parce que c'est quand même une petite circonférence. Donc là, par exemple, avec mes aiguilles 2,75, alors c'est des aiguilles de 13 cm, je crois. Et clairement, je pouvais pas tricoter en sorte de mini, enfin sur des mini circulaires avec ces aiguilles de 13 cm pour le petit col. Donc j'ai tricoté en magic loop pour le col, pour les côtes, avec mes aiguilles 2,75. Quand je suis passée en 3,5, donc là comme j'ai les petites, et ben j'ai pu passer en mini circulaire avec les petites 3,5. Et puis là je suis passée sur un câble un petit peu plus grand. Mais elle a ouvert sa porte et que ça fait encore plus de bruit. C'est pas possible. Donc bon bref, donc je suis passée sur le câble rouge maintenant. Donc j'ai une un petit peu plus grande circonférence. Mais avec les aiguilles les plus longues, ça c'est les plus petites, les plus longues du kit bleu, ça tirait quand même un peu trop sur les mailles. Donc voilà, ça me permet, ce petit kit bleu là, il est bien parce qu'il permet un petit peu d'ajuster au fur et à mesure. Je crois que là j'ai encore un rang, le rang suivant je fais des augmentations, donc je vais pouvoir repasser sur les aiguilles un petit peu plus longues, et ce qui va être un petit peu plus confortable, même si bon, ça va être tellement vite fait qu'on n'aura pas le temps d'avoir mal dans les doigts quoi. Donc voilà, hein. Je pense que ça va être déjà un très addictif parce que c'est du jacquard, deux très rapide parce que c'est du 18 mois. Voilà, ça c'est. Oh, je me demande si je vais pas. Je me dis c'est mon petit projet du week-end quoi. Je vais essayer de tricoter ça. Voilà. Donc oui, j'ai fait la carte. J'ai joué la carte du renard à fond. J'ai ressorti toutes mes petites affaires. Je sais pas si vous, si vous le savez, je sais, j'en ai déjà parlé, mais moi je fonctionne beaucoup par saison. Donc j'aime bien au printemps tricoter avec, et puis enfin tricoter, utiliser des petits marqueurs, des bloqueurs, des sacs à projet qui me font penser au printemps. Et en automne, j'aime bien utiliser tous ces petits accessoires, mais qui me font penser à l'automne. Bon, donc là je suis allée rechercher dans ma boîte d'automne pour avoir et mes petits arrête-mailles, mes petits bloqueurs renards et hop là. Oh, il est vraiment chou celui-ci. C'est le repère des tricopines et c'est l'une d'entre vous qui m'avait fait un cadeau lors de des Vlogtober, je crois bien, de cette année. Je sais plus quand exactement, mais il me semble que c'était pour les Vlogtober. Voilà, bon, je pense que c'est ce sur quoi je vais tricoter ce soir. Si je ne prends pas des heures à faire mon montage de ce soir, non, je vais aller faire vite, comme ça je pourrai après. Le repas est déjà prêt, puisque on a fait un gros, enfin mon mari a fait un gros chili hier, il en reste plein. C'est parfait, j'adore quand ça se passe comme ça. Demain, on a une grosse journée, hein, parce qu'il faut que je prépare ma valise. Ça serait déjà pas mal. Que je tourne un épisode de podcast, que je le monte, que je le mette en ligne pour dimanche. S'il manque des infos pour le podcast, vous m'en voudrez pas. Hein. Vraiment, j'aurais fait de mon mieux, mais voilà, ça viendra peut-être après. Et que je tourne également l'épisode de vlog de la journée de demain, quoi. Donc, die, on va pas perdre de temps. Mais voilà, donc je vous laisse ici, je file faire mon montage, je file également enlever ce pull qui me gratouille, mais bon je suis contente quoi, je suis contente. J'ai hâte qu'il rentre comme ça, bing, il rentre, je lui mets son pull et je vous fais, peut-être là à la suite des petites images du... Sinon dans le podcast de dimanche, je le mettrai dans le podcast de dimanche. Voilà, et puis donc une fois que ce montage est fait... Je retourne à ceci. Le patron pour l'instant hyper bien, aucun problème. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense à la fin, mais tout bien, pas de soucis, parfait. C'est en français. J'ai pas regardé s'il était en anglais également, mais bon, voilà. A priori, si vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est le français. Mais
Ouais, je regarderai quand même à l'occasion pour vous donner cette info. Allez, cette fois-ci, je file. Bye bye tout le monde et à demain. Encore un grand merci pour tous vos gentils commentaires. Trop contente la bibiche et ça me fait vraiment plaisir de vous lire tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment trop chouette. À demain.